Un palais qui flotte dans le ciel bien au-dessus des nuages, on aura tout vu. C'est quand même drôlement haut, j'ose à peine regarder en bas. Regarde bien où tu mets les pieds, Link. J'ai pas appris à voler. Lui, il le sait pas encore. Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. T'aurais peut-être plus d'audience si tu faisais tes voix en mode Nicky Larson. Ouais, mais je serais épuisé, mec. Hein. Ah oui, c'est vrai. Hop. Avec quoi je vais le toucher ça? Avec ça par exemple? Pas assez loin. Hein? Il va remonter ou pas? Aucune idée. Ça non? Bon, il y a un truc à faire avec les jumeaux, mais alors quoi? No idea. Est-ce qu'il y en a un qui peut shooter jusque là-bas? Non, en fait, ça sert à rien. Je peux pas me servir des jumeaux quand. Il y a ça, donc on va y aller à l'arc. Ça va être pour plus loin, je pense. Ouais, c'est pour ça. Bon, par contre, le cube que j'ai poussé là, j'ai pas trop capté. Il y a peut-être un. Faut tester. Comme il y avait les deux machins là, je me suis dit, ah, c'est peut-être un petit passage. Sûr. Je vais quand même le buter lui parce que si jamais il y a une clé. Et... Ah, d'accord, il se met à courir. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Alors, un passage à gauche. Ah, d'accord, il va y avoir un outil là pour passer en dessous. Je sais plus ce que c'est exactement, mais c'est des bottes qui nous permettent de nous accrocher, je crois. Je m'en souviens plus trop. Regarde le joli nuage, j'aimerais bien pouvoir monter dessus. Voilà pourquoi j'ai du mal au boss de feu. Pourquoi? Il n'y a pas de réelle énigme ici, mais ça ne saurait tarder, je présume.
J'aurais pas la portée. Évidemment, of course. Oula. La cape de roc. Elle permet de faire des vols planés en maintenant le bouton enfoncé. Ah, je m'attendais pas tellement à ça. C'est trop bien. Ah oui d'accord, c'est en mode escalier en fait. Non, j'ai rien compris. Au-dessus de moi, mais de quel côté? J'arrive pas à savoir en fait. Ah ok, en fait c'est juste au-dessus. Évidemment. Ah, je pense que je peux aller là-bas. Pas ici par contre. Par là je pense que oui. Sans grande certitude évidemment. On va commencer par ici. Ça va pas le faire, ça, j'en ai pas autant. En speedrun, en combien de temps il se fait celui-là? Je sais pas. Je sais plus avec quoi je l'ai tapé celui-là. Pas avec ça en tout cas. Le truc pour les retourner? Non, c'est avec ça, je crois. Enfin, je sais plus. Si, c'est ça. Bonsoir Mona, comment ça va? Le vent souffle très fort par ici. Attention à pas te faire éjecter. Ouais, ça va super. Ah oui, ça va jusque là le vent quand même. D'accord, mais ça sert à quoi de venir ici? Il y a un passage en bas peut-être? Pas du tout. Si j'ai un autre moyen, c'était avec ça je crois. Hein.
Voilà. On devrait pouvoir faire tourner cette grille en sautant dessus très fort. Et ben voilà. Bon, je pensais pas que ça allait être comme ça, mais ok. C'est bon. Et lâche l'argent. Par contre, tu peux pas t'arrêter en vol quand tu fais ça. Ah, évidemment, le temps que tu fasses la manip. Ok, il y en a plus. Ça va être compliqué. Déjà, je suis pas dans le bon sens. Allons-y, ma bande. C'est sûr, ils vont venir me saouler là. C'est bien long. À l'aide. Ah, j'ai même pas besoin de faire un big jump avec ça. Juste un petit saut suffit. Ok. Par là. J'étais omnibulé par le truc au-dessus. Ah, je sais plus comment ça marche ça. Ah bah si, c'est miniche. C'est juste ça en fait. C'est à cause de l'épée. Oh, c'est chiant. Ça va pas, cette histoire, ça va me gêner, ça. Voilà, pour la peine. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, ce mec? Ah zut.
j'ai appuyé. Je suis allé un peu vite là. J'aurais peut-être dû réfléchir 2 secondes. Oui, non, pas du tout. D, la réponse D. Ah oui, c'est vrai qu'on tombe ici. C'est vrai que sa marque de fabrique, c'est la finesse. Oups. Hein? Comment j'ai pu me retrouver tout là-haut là? Ah, c'est l'autre qui m'a poussé. Il semblerait. Mmh-hmm. Superman, trop bien. Je pense que je peux pas aller jusque là-bas. Mais testons. Eh bien. Oupsie. Est-ce que je peux aller là en fait? Non. Peut-être parce qu'il faut être plus haut. Pour ça. Non, ça marche pas dans tous les cas. Il doit y avoir un moyen de le récupérer celui-là. Hmm.
J'ai pas chopé la carte, me semble-t-il. Hein. Ceux-là. Putain, mais ils me font mal. Voilà. Comment je l'ai fait taper là? C'est embêtant parce qu'ils restent ensemble ceux-là. Ah, évidemment ça marche pas. Ah c'est bon. Peut-être. Non c'est pas bon. Allez les gars là. C'est pas marrant. Quand même. La porte du boss. Bon, c'est pas la forme niveau point de vie là. Je pense qu'il faut arriver par en bas, mais je tente malgré tout. M'en fous des rubis, je veux des cœurs là. Ah, est-ce qu'il faut pas se servir du squelette en fait? Je crois bien que si. Ou un pot. Puis là, je sais plus comment les. Ok. Non. Comment je les pose juste? Je peux pas, je crois. Je m'en souviens pas en fait. Non, je crois que je peux pas. Ah oui, les pousser peut-être, t'as raison. Merci Nanatoru. De toute façon, je peux pas en pousser 50 parce que je peux pas les décoller du mur, donc ça va être celui-là. Et bon. Ouais, j'avais zappé cette mécanique. Hein. Heureusement, on peut compter sur la mémoire de Nanatoru. Oh. J'ai pas su me retourner. Voilà. Oh, il y en a du monde là. C'est la crise. Ah non, c'est à moi ça. Bon, j'ai pas beaucoup de points de vie.
Putain, ils sont incroyables. Si, quand même. Je m'attendais pas à ce qu'il me balance un os, lui. Alors, j'ai eu la clé du boss. Par contre, ça m'étonne, j'ai pas vu la carte, j'ai pas vu la boussole. Très bizarre. Enfin, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'est de là d'où je venais, mais... Peut-être que... J'ai le vertige, je me sens pas très à l'aise là. Mais dites donc, on dirait qu'il y a quelque chose au fond de ce trou. Ah non, je sens qu'il va falloir qu'on saute. Évidemment. C'est au premier qui pousse l'autre, non? Ça le pousse pas du tout. C'est pas ça. Oh, c'était presque ça. Je sais pas s'il peut pas tomber par hasard. Ouais, c'est un peu tendu, j'y ai pensé à sauter derrière lui avec la cape, mais... Je sens que je vais tomber dans le trou et j'ai pas 50 000 cœurs. Alors je peux l'avoir de manière classique, on va dire. Ou alors faut vraiment que je me mette au bord, mais... Enfin, le problème, c'est que je pourrais pas garder le bouclier. Il semblait bien qu'on pouvait le pousser. Quoi? C'est une autre partie du palais? Bon, pas le temps de rester, bouche bée. Encore un petit effort, Link. Merci. Je me doutais que c'était pas le vrai boss. Il était beaucoup trop simple déjà, beaucoup trop classique surtout. Hé! Lâche! La musique de ce temple est vraiment très chouette. Je crois pas que c'était celle-ci pour les autres. Mais je peux me tromper. Ouais, j'ai laissé plein de coffres en fait. Mais c'est normal, je pense. Il y a peut-être un endroit que j'ai pas fait et que j'aurais pu faire. Alors, pour le moment, j'ai vu un escalier. Ouais, j'ai l'endroit du vrai boss, effectivement. Un escalier et c'est tout. Il y a ce passage-là. Peut-être que je peux y accéder grâce à la carte magique. En tout cas, je vais tester. Non, on peut pas.
Donc il va falloir arriver par le dessus, je présume. Il t'enlève des cœurs et t'as juste des rubis en échange, arnaque. J'ai plus besoin de ça. Hop là. Ça va tomber où ça? Bah, pas au bon endroit. Il fallait que je teste. En fait, en regardant la carte, peut-être que je peux plus ou moins savoir, oui. C'est au rez-de-chaussée, donc oui, je pourrais trouver l'endroit d'où tomber. Oh, ça va être marrant ça. Je le sens. Bah non, c'est pas bon ce que j'ai fait. Oh non! Je suis allé un peu trop vite, semble-t-il. Et là, je vais devoir reset. Salut As, comment ça va? Je suis obligé de regarder parce qu'il est en plein centre. Il faut juste que je sois ultra rapide. Ah mais non, je suis trop bête. En fait, c'est vrai qu'il y a le mur à droite, il faut que je parte à gauche moi. C'est bon, j'ai branché mon cerveau, ça devrait le faire. Ça va super, merci mec. Ça me fait délirer ce truc. Ils sont chauds ceux-là. Alors ça monte. Pas ça. Où est-ce que je suis? C'est pas le bon endroit, mais peut-être que ça donne accès à quelque chose, j'en sais rien. C'est celui-là. Hein. En tout cas pour le coffre. Mais est-ce que j'y vais maintenant? J'aurais pu y aller direct en fait. Apparemment. Mais non. Oh là là. Bon, moi on fait le plein. Yeah.
là. En plus, c'était indispensable. Ça, c'est toujours la même pièce, donc c'est pas la peine. On monte. Il y a un truc là. Allez-y. Ça dure 10 ans, ça. Ok, bon. Ah oui, d'accord, c'est là que ça amène. Et ça, c'est... Ok. Ah, je suis retourné dans l'autre partie là, c'est cool. Ça s'arrête jamais ça? Ça m'embête de changer tout le temps de stuff. Du donjon. Ah non, pas ça. C'est bon. Ça avait l'air de rester cette fois. Encore une pièce par là. Ça, ça se pose pas. Ah non. Donc, j'ai pas besoin d'en pousser plus. Hop là. Ah bah le voilà celui-là. Effectivement. Bon, ça servait juste à ça du coup. Ah non. Ah non. Mais je crois que c'est par là. Je crois que j'avais rien pour les détruire à distance. Ah si, peut-être. C'est pas bon là ce que j'ai fait. Il y a une pièce en dessous aussi. Non, c'est la même.
Flèche bombe? J'ai pas flèche bombe. On n'est pas dans Breath of the Wild ou TOTK là, hein? Je réfléchis. Est-ce que j'ai vraiment fait tous les chemins là déjà? Ouais. Comment ça? Mais non, je suis bête. Ça doit être ça, tout simplement. Je vais l'éclater quand il sera à côté des cailloux. Ça marche pareil? Non, non, ça marche pas pareil. Hein. Il n'y a pas de flèche bombe dans celui-là. Hein. Dans Awakening, oui, ça marchait. C'est vrai. Et parce que c'était une mécanique et on te le... On t'invitait à l'utiliser à un moment donné, me semble-t-il. Ça, c'est non. Avant d'ouvrir la porte, je fais le tour. Est-ce qu'on met du feu ou quoi? Bah oui. C'est un raccourci ça normalement. Salut Marvel, comment ça va? Je hais les ennemis qui nous foncent dessus. Pourquoi c'est eux qui font des dégâts et pas nous? Oh, je suis bête, je l'ai vu en plus en bas. Lui est encore plus bête que moi. Attends, je suis venu là juste pour ça? J'y crois pas un seul instant. Il y a forcément un truc. Y a pas l'air, hein. Y a rien du tout ici. Bon, d'accord. J'y crois moyen quand même. Faut arriver par le dessus, j'ai l'impression. Attends, si, il y a un autre mur là. C'est bon. Je l'ai pas vu. Parce qu'il apparaît pas. Là aussi, il y a peut-être bien un passage. Oui. Je vais le prendre maintenant au cas où. J'ai plus de clé par contre. Et en fait, c'est pas bon ça. Je peux pas l'ouvrir. Ils sont méchants, ils cachent des choses. Ouais. J'avoue que c'est le genre d'énigme sur lesquelles je pourrais bloquer ça. Hein. Très honnêtement. Genre j'aurais pas vu la porte, tu vois. Enfin l'entrée. Avec les cailloux grossiers. Mais je sais pas, ce soir ça va.
Il y a des soirs comme ça où je suis plus attentif. Donc il me faut une clé avant de me jeter dans le trou. En tout cas, je sais déjà qu'il faut aller par là-bas. À un moment donné. Ce sera là. Faut que j'oublie, quoi. Oula! C'est pas sympa, ça. Bah oui, évidemment. J'aurais dû taper dessus direct. J'ai même pas vu ce que ça a fait. Ça a fermé la porte, non? Ça a carrément fermé la porte. Et en fait, si j'en touche un, bah ça explose, donc ça ferme la porte. Ok. Tout bêtement. Attends. Ah oui, d'accord. Je crois savoir où c'est. Et coquin. Une clé? Une clé. Parfait. En tout cas, il y a la salle du boss ici. En fait, si j'aurais pu l'ouvrir, ça je pense. Faut que je balance une bombe par-dessus. Les espèces de deux pièces. Les espèces de pièces, ouais. Je pense qu'on peut. Faudra que je tente. Pour ça, je peux sauter par-dessus. Grâce à ma cape magique. Allez, ciao! Je dis que je peux sauter par-dessus, mais je suis pas trop certain en fait. Hein. Maintenant je le suis. J'ai réfléchi, je sais pas pourquoi. Dommage, je peux pas faire plus. Il est vraiment bien ce Zelda quand même. Là, c'est pas le meilleur des temples, mais... Vraiment, je passe un bon moment sur ce jeu. Je sens que je vais passer par-dessus le machin. Et non. Des fois, je suis bon. Des fois. Des fois souvent quand même, Mona. Non, faut savoir rester humble. Je suis ni bon ni mauvais. Oh, ça dépend des jeux. Par contre, je suis tenace. C'est pas toujours une bonne chose, mais bon. Ah, mais je me suis fait rouler, là. J'ai pas du tout eu la clé du boss.
qui veut dire qu'il y a un coffre qui reste à ouvrir, évidemment, of course. C'est celui-ci. Et celui-ci. Oh, c'est très embêtant, ça. Tonas ou t'es-tu? Bah, Tonas. Qu'est-ce que j'ai pu oublier comme passage? Bon, déjà, de toute façon... Faut que je revienne par là. Voyons voir. Il y a un coffre juste en bas, là. Comment ça se fait que je l'ai pas vu celui-là? C'est pas normal. Petit retour. Ah bah, c'est celui-là. C'est vrai. Évidemment, of course. Bon, celui-là, je sais comment l'avoir. Logiquement. Reste à savoir par où je passe. Je vais tenter de dire par ici. Ah, je les aime pas ceux-là. Je crois qu'ils peuvent me balancer au tout début. Après, j'ai le TP, donc pas très grave. Allez. C'est par là, je crois. Non, c'est juste à gauche. Après, je ne fais que supputer. C'est pas du tout là. Putain, mais c'était où déjà? Je me souviens pas. Non, c'était la salle de droite. Autant pour moi. C'est ça. Donc, on a dit. Bon, moi, j'ai dit une bombe, mais ça se trouve, il y a plein d'autres moyens de le faire. C'était pas mal. La raclette en plein été, y a que ça de vrai. Je suis complètement d'accord. Y a pas de temps pour la raclette, mec. C'est comme les ramen. Ah non, c'est nul ça. Donc en fait, j'avais déjà la clé. Celle du fake boss fonctionnel. Bon, du coup, le dernier coffre, ouais, je sais pas trop comment je le chopperai. Je verrai plus tard, peut-être. C'est pas très grave. J'aurais dû sauter, je crois. Mais quoi? Ça a disparu direct là. Ça cause des bulles. Ouais, c'est ça. Il va m'embêter l'autre là. Il m'énerve lui. Faut peut-être que je le dégomme en fait avant. J'en sais rien. J'ai pas l'impression que je puisse, mais. Pas suffisant de la tienne. Ouais, en fait, j'esquive et c'est tout quoi. En fait, c'est un vrai problème parce que quand j'ai les doubles, je peux pas faire mes autres pouvoirs. Mais. Oh, j'y arrive pas, hein. Quand même.
Oh. Je vais crever. Putain, mais laisse tomber, il y en a de partout là. Bon, j'ai encore une fée, mais. Ça commence à être chaud là. Je vais peut-être devoir m'y reprendre. Non mais c'est quoi, c'est un jeu de vaisseau ou c'est Zelda là? Ah, évidemment. Hello Cray, comment ça va? Oh purée! Allez, trace-toi là! Let's go! Ça n'a pas suffi. Comme par hasard, ça m'a poussé. J'aurais dû attendre. Ah, c'est chaud. Non. C'est le même. À la bagarre. Oh purée. Je sens que je vais pas y arriver. Il est en train de me troll. Pourquoi ça me fait sauter là? Je fais pas, mais je fais même pas un gros saut, je fais un saut comme ça et ça me catapulte en l'air en fait. Ah mais j'ai juste à le taper en fait. Tout à l'heure j'essaie de sauter dessus mais ça sert à rien. Donne-moi un cœur s'il te plaît. Non. Ça va être chaud là. Ouf, putain. Je vais pas le taper. Bon, une touche, c'est dead, non? C'est pas fini. Mais il rigole zéro lui. Oh non, il est tombé le cœur. Je comptais là-dessus en fait. Bonne chance, Marvel. C'est passé, ricrac, hein. Mais c'est passé. Vous avez trouvé l'élément vent. C'est l'essence de la force du vent qui porte le pollen et fait fleurir la vie. Ah, c'était chaud mine de rien. Hein.